Alors, comment on va s'y prendre avec Léa ? Eh bien... On va la faire parler. Voilà. Faut qu'on sache où trouver les autres, on verra après. Tu comptes lui demander pourquoi ils ont fait ça ? Ouais. Je vais lui demander gentiment. Ça te rappelle des trucs que Joël aurait pu dire sur son passé ? Rien de nouveau, non. Tu crois qu'il aurait pu te cacher des choses ? Carrément. Il était pas du genre à parler de lui. Je me demande ce que Tommy pense de tout ça. Il doit savoir qui Joël avait comme ennemi. Moi, je pense que Joël, il a eu une aventure avec Jason, et quand il a quitté, Jason l'a pas supporté. Bah, je pense surtout que c'est un rapport avec la fin du premier jeu, en fait. Ce serait le plus logique, du coup, qu'ils en veuillent à Joël, parce qu'il a empêché la création du vaccin. Aïe. D'ici, je vois toujours les immeubles. On y va comment ? En bus ? Je préfère ma théorie. Je comprends. Mince. Merde. Ils sont combien ? Oh non, bordel. Quelque part dans le coin. Et on est sûr que c'est pas une Scar ? Du coup, si on pose un piège ici. Testons. Alors les Scars vont lui régler son compte. Allez, laisse moi faire, sinon on rentre bouffer, ok ? On n'arrivera pas à la trouver avant les Scars. Je m'attendais pas du tout à ça! Je les ai devant moi! Putain! Juste ici! Mince, j'aurais pas dû. Ok, donc le piège fonctionne, mais on se l'est pris de plein fouet! Oh, la violence. Peut-être changer ma batte, elle est... J'ai vraiment pas de chance, hein. Je pensais pas qu'ils se seraient séparés comme ça. D'ailleurs, Dina, elle est passée où ? Ah bah, elle est là. T'as l'air un peu mal au point, Dina. Mal en point. Il en reste ? Moi aussi, hein, j'ai pris cher. Putain, j'ai vraiment pas eu de chance. J'ai jamais de chance dans les affrontements. Il y en a un, mais je sais pas où il est. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je le vois pas. Le mec est invisible, alors ou alors il est au-dessus, mais... Ah, il est là. Ok. Il était bien au-dessus. Ouais, je suis dégoûté en fait. J'ai vraiment pas eu de chance là sur la sortie des gars. En vrai, je pensais pas qu'ils allaient se séparer de cette façon. Ce qui fait que j'ai posé mon piège et le mec a sauté directement dessus. J'ai pas eu le temps de quitter la zone. Soul. Il y en a que tu reconnais. Toujours pas. Putain, je suis dégoûté. Elle est immense cette zone de quarantaine.
Je te reconnais les conseils pour ne pas être mal... Ouais. J'espère que non. Ah, au final, on s'en est sorti, mais... avec perte et fracas. Bon, en tout cas, le piège, ça marche bien. Et du coup, rip le silencieux. Dommage. Ellie, allez, on bouge. Oui, on bouge. Laisse-moi tranquille. Tu donnes quoi ici? Juste des trucs d'Halloween. Encore? Bah, dis donc. Il y a des trucs plutôt marrants. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan, ça lui rappelle des trop mauvais souvenirs. Hein, j'aime bien cette petite ref. J'aime bien. Il y a forcément des trucs là-dedans. Ça fait très longtemps d'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas trouvé d'établi. Je peux rien créer, je peux pas prendre celui-là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Pouette. Ah bah tiens, on en parlait. Ça fait longtemps. Améliorer ça en fait. Hein. Oh, il y avait une lunette. Attendez. Une lunette. C'est cher. Ouais, deux secondes, je suis en train de d'améliorer mon arme. Laissez-moi tranquille. Attends, on peut même plus... On peut même plus faire ça tranquillement, quoi. Imagine pas ce qu'ils leur donnent pour leur face. Quand tu les entends hurler à la mort, c'est dur, putain. Quoi? Je crois qu'on a de la compagnie. Je vais voir ce que c'était. Oh, mais j'ai vraiment pas de chance, c'est fou! Mais non! Déploiement par où? Attendez, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah, trop tard. Cadeau! Enfonce! Ils sont plusieurs? Le cache dans les toilettes. Il me trouvera jamais. J'ai fermé la porte. Tu ferais mieux de courir. Trouvez. Technique de cri-cri. S'enfermer aux toilettes, ça fonctionne toujours. T'en vois d'autres? Non. Tu m'as impressionné. Ouais, j'ai fait de la merde comme dame, hein, Dina. Rien d'exceptionnel. Hein. Trop. T'as, par contre, ils sont arrivés vraiment pile poil quand j'étais en train, encore une fois, de faire des trucs.
J'avoue que ça m'a mis un stress. T'es en train d'améliorer ton arme et là, les mecs, ils débarquent. J'ai même pas fini. Putain, ils me saoulent. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre un petit peu, quoi. J'ai pas fini d'améliorer mon fusil. Non, mais oh. Plus de dégâts. Ok, mon fusil bientôt améliore à fond. Ok. Et ça. Attendez, l'autre, il coûtait combien du coup? Juste pour savoir. Ah, oh, il me manque un! Ah, oh, bah, je vais le trouver, on va trouver une pièce. Il me manque une pièce, quoi. On s'en était presque sorti, quoi. Presque sorti de tout ce bordel. Et là, il va manquer une pièce à vie. Oh no. Sérieux, une pièce là? Genre, vous avez pas de pièce? S'il vous plaît, une toute petite pièce. Il se fiche de moi le jeu. Il se fiche de moi, c'est sûr. C'est sûr. Il me manque une pièce. Bon. Bah yes. Franchement, c'est pas dur à trouver une pièce là. Là, 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 là. Y'a rien par là, y'a rien par là. Super. Dans le caddie, y a pas une pièce? Y a pas de pièce, incroyable. Une pièce, monsieur, pour améliorer mon art. Ça dégoûte. Allez, là, ici, dans celui-là, il y en a bien. Non mais... Oula. Ok, ils sont fermés. Putain, c'est dommage, si j'avais su qu'il y avait des claqueurs ici, je les aurais envoyés sur les autres. Fran, ça y est, c'est pour dimanche matin. Dis à tes proches d'éviter les rues, mais fais gaffe à ce que tu leur dis. Si Isaac apprend que j'ai parlé, je suis morte. Ça devrait aller vite, il n'y a plus beaucoup de gars de la Fedra du côté de chez toi. Quand on nettoie un quartier, on emmène tout le monde à la base. Pas de panique, c'est temporaire. Ça nous permet de faire le tri entre les bons et les méchants. J'ai hâte de pouvoir à nouveau dormir avec toi. J'en ai marre qu'on s'échange des mots dans ce club pourri. Rebecca. Non, 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 referme pas la porte. Fais gaffe! Ah! Mais normalement, il voit pas! Oh merde! Mais j'en ai marre, j'arrive pas à esquiver! Laissez-moi esquiver! C'est toujours elle en plus, hein. Toujours la même. T'étais pas déjà morte, toi? Parfait. C'est toujours la même. Tout ça pour une carte Pokémon. Et en attendant, je n'ai toujours pas trouvé une pièce. Je trouve tout, sauf des pièces.
Qu'est-ce qu'elle faisait encore? Pourquoi tu fais ça, Dina? Pourquoi tu réagis comme ça, Dina, voyons? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Dina? Explique-moi. Ok, bon bah, pas de pièce. Pas de pièce, pas de pièce. Bon. On va créer ça parce que je sens que je vais encore galérer mes grands morts. Ah! On est en sécurité ici. Les infectés ne peuvent pas nous avoir ici. Du coup, tatatata, non, ça a l'air d'être bon. J'ai plus qu'un seul piège par contre. Bon, bah avançons. Hein. Rainbow. Par là. On peut peut-être descendre par là. Ouais. Par là, ça semble compliqué. On va essayer par là du coup. Putain, on a quand même vachement enchaîné là. Oh! Y'a pas un ballon, je peux pas faire un panier là? Non. Nope! Merci Katsuo pour les 2000 points. Et c'est donc parti pour l'heure de la tunasse. Donc attendez, on va se mettre comme ça. L'heure de la tunasse. Pouette pouette, les 60 secondes. Au revoir à tous ceux qui malheureusement ne sont pas abonnés. Ah. Oula. Oula, attendez, je suis caché. Je suis caché. Oh merde. Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas de chance? Ouais. Comme je viens de le dire, j'en ai rien à battre. Non. Non, ils vont me voir! Ils vont me voir! J'en ai marre! Non! Je te tiens! Lâche prise! Je suis pas sub, j'ai pas... Ouais, c'est peut-être possible, Yua. Peut-être possible. T'en vois d'autres. Putain, mais ils sont si nombreux dans le coin. Putain, on est en train de tous les massacrer. Faire pour choper Léa toute seule. Il y a du monde partout dans cette ZQ. On a juste besoin d'une minute. Re-Heartfire. Tu vas l'obliger à parler? S'il le faut. En vrai, c'est tellement grand, je sais pas par où passer. Il y a tellement d'endroits. Le problème, c'est mon côté d'exploration là qui doit être à la fois satisfait, quoi. Le pire, c'est que j'imagine les mecs qui nous recherchent, ils entendent des coups de feu, donc ils suivent les coups de feu pour essayer de nous retrouver. Et Rekatsuo. D'ailleurs, hein, si vous devez vous abonner, attendez demain, parce qu'on a un bingo pour les 25 heures de la BD. Et dedans, nous avons justement le fait que les gens doivent se réabonner, les subgifts ne comptent pas. Donc gardez vos sous et réabonnez-vous tous demain, comme ça en plus vous déclencherez un demi-train de la hype, ce sera incroyable. Demain je suis plus sub en plus, c'est vrai? Trop fort en fait. Non mais comme en plus en ce moment il y a des événements tout le temps. Le mois d'octobre a été très riche en événements, j'avoue. Oh, il m'a fait peur. Dina, tu veux pas le tuer? Dina! Il y en a partout. Elle a failli. C'est fou, hein. Oh, il y a des soldats aussi. Ils sont les soldats. On va laisser les soldats approcher.
Les soldats approchent. Je crois que c'est eux là-bas. Ils vont les attirer à eux. Je vais les laisser faire. Alors c'est peut-être pas eux. J'ai pas envie d'être pris en sandwich en fait. Non, c'est pas eux. Mais j'ai entendu des soldats. Et coucou Blue Dax, comment vas-tu? Non, c'est lui que je voyais. Ça me saoule, je suis sûr d'avoir entendu des... Ah non, ils sont en face. Ils sont là-bas. Je crois avoir vu bouger en face. Ah non, mais ils sont juste à côté en fait. Ah oui, donc j'avais bien entendu. Est-ce qu'on les attirerait pas ici? J'ai quelque chose. Je m'en charge. J'ai envie qu'elle se fasse tuer par eux. Je suis trop sadique. J'ai trop envie de les attirer sur eux. Du coup, je tire et je dégage. J'en fais. Et on les laisse se débrouiller. Non, c'est pas sur moi qu'il faut aller. Mince. C'est le bordel. Aïe. C'était pas ça que je voulais faire. Au secours. J'allais se faire défoncer, Dina, elle s'en sortira. Ah, tu sais plus qui tu dois taper, hein? Ah ah! Pardon. Excusez-moi, hein, c'est un peu le bordel, mais... Ok, 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 calmez-vous. Trop drôle, c'est le bordel. Trop drôle, c'est le bordel. Tous morts ? Y'a plus personne ? Ouais, excusez-moi, je voulais créer une situation. Je m'attendais pas à ce que ça parte autant en cacahuète. C'était pas du tout voulu. Pas de soucis, Belliris. Des bisous. Il me détecte plus, lui, là-bas. Ok, donc il doit en rester dans le coin.
Mais je sais pas où. Ah! Je les cherche. Ils sont où? Ils sont où? Bon. Je sais pas. Mais c'était rigolo. Ça n'a pas du tout fonctionné comme je l'avais espéré, mais c'était drôle. On courait dans tous les sens. Dina s'en est pris plein la tête. Coucou Raiders, comment vas-tu? Des pièces enfin. Et ouais, c'est maintenant que je les trouve. Faut que je remonte tout là-bas. Chiantos quoi en fait. Bon, on en a trop. Des bisous à Fire. Et à demain pour les 25 heures de la BD. J'hésite à me soigner maintenant. On sait qu'on a une trousse de soins un peu plus loin. Oula, il est juste là. Il est où? Qui m'a repéré? Putain, mais il y en a un qui est dans le coin, mais j'arrive pas à savoir où il est. Ah, il y en a un là-bas, ok. Il y en a plusieurs. Nounours! Mais ils sont trop nombreux! Mais c'est sûr que j'aurais dû les envoyer. Qui en face. Oh merde! Il a failli me repérer. Il était à l'étage. Il a pas vu Dina. Trop de monde. J'ai enfin l'âge pour un job d'été. Nickel, Writers! Trop bien! Je stresse. Je voyais les munitions à travers. Non ? Quelque chose ? Les RAS de ce côté non plus. Dina, c'est un fantôme, c'est ça, elle est déjà morte depuis le début en fait. Attends, le mec à l'étage, il m'énerve parce qu'il peut me repérer de loin. Je me ferai pas avoir. Enfin, je dis ça et puis je vais dans deux secondes c'est mort.
Est-ce que du coup, si je pose un piège, on va tester un truc. Si je pose un piège, est-ce que ça va attirer les ennemis? Je mets ça là. Est-ce qu'il y en a un qui va décider de passer par là? Est-ce que l'IA est programmée pour passer sur les pièges? C'est ce que je veux savoir. Parce que du coup, on met ça là, ça va les attirer. Nous, on repart par là en attendant. Elle m'a poussé. Dina, arrête de me pousser! Je la déteste. Je la déteste. C'est ça, ça a marché. Tester, ça marche bien. Ah mais récupère ça aussi. Chris, c'est un fin stratège. Je voulais tester en fait. Mais du coup, maintenant je le sais. Tu poses un piège, les ennemis vont obligatoirement dessus. Enfin, ils changent leur truc pour aller dessus parce que au final, c'est. Ils sont attirés par les explosifs. Fusil, là-bas. Il y a un fusil là-bas, très bien. Ah bah si, je peux en recréer un, je suis trop bête. On va recréer un piège. Les pièges, ça fonctionne bien. Ça va faire... Toi, ça va faire boum. Toi, faire... Aïe, tout à fait. Et, en plus... Et ensuite, on les arrose. Quelqu'un les a repérés. Allez, vas-y, viens. Viens, rien viens. Ici. Rien ici. Bam. Dina, arrête de me faire peur. Regardez, ils sont attirés par les explosifs. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont morts. Enfin, je crois. Regardez, lui, là. Lui, là, il arrive. Comment on fait pour zoomer? Comment je fais pour ma lunette x6, là? Bonjour. Ah. Quoi c'est là? J'y vais. Attendez, j'ai encore du feu. Prêt cadeau. Bah, je pensais pas que ça le déclencherait. Il en reste combien? Ils sont encore nombreux. On est recroquevillé là-dedans. Ça prend un temps monstre, je sais pas si je vais avoir fini d'ici ce soir. Courage! Essaye au maximum et puis si tu vois que t'as pas fini, c'est pas grave. Il est pas dans le coin? Le mec nous a abandonné. Ok. Il a abandonné ses potes. Il doit en rester un, je sais pas où il est.
Ah ouais, ouais, j'ai alerté tout le monde, mais c'était trop drôle à faire. Où ça? Ah, il était bien à l'étage. Je pense que c'est le dernier. Ah, il est remonté par là? C'est possible. C'est sûrement elle. Je vais voir qui y a. Il est pas tout seul. Pas qu'il soit tout seul. Elles sont là ! Juste ici ! Ciao. Il est en bas. Il est en bas. J'aime beaucoup, c'est très... C'est tellement tendu, y a pas de son, y a rien du tout. Ça y est, il nous a oublié, il monte plus. Ah non, il nous contourne. Il nous contourne. On est devenu une véritable chasseur. On peut pas récupérer ça? Putain, mais ils sont combien? Ça y est, c'est bon? Ok. Ça s'est globalement bien passé. Je crois que c'est par là. Ouais, bah deux secondes, hein. On a plein de trucs à explorer maintenant. Parce que bon, on va pas se mentir, beaucoup de bâtiments, tout ça, nanana. Tu es une ombre. J'avoue que là, pour une fois, j'ai plutôt bien réussi. Après, j'avoue, les petits pièges et tout, ça permet de pouvoir faire plein de trucs. C'est rigolo, j'aime bien. Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça. Je trouve ça rigolo d'être une ombre. Non, puis en plus, elle a vachement progressé, Ellie. On va pas se mentir. Je vous ai enfin proposé un gameplay plutôt de qualité pour de l'infiltration. Ils m'ont pas repéré, ils ont explosé à droite à gauche. C'était plutôt rigolo. Pas se mentir, on s'est bien amusé. Bon, en fait, il y a pas tant de trucs que ça à récupérer. Hein. Peut-être plus là-bas puisque j'ai rien récupéré là-bas. Ah tiens, j'ai envie d'aller voir celui qui a sauté. Ah bah voilà. Ça fait boum. Ça a tellement fait boum qu'il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Il n'est plus là. Ok, plein de médocs, incroyable. Il faudra un petit peu plus d'objets. Il faudra qu'on se recrée des pièges. Les pièges fonctionnent trop bien. Et là encore, on n'a pas encore croisé hein, les chiens. Mais tout à l'heure, on a vu, hein, ils avaient des chiens. Ça va être, ça, je pense que ça va être très pénible, les chiens. Il manque quoi? Ah, il manque justement des composants explosifs. Mince. Mode, écoute, les ennemis détectés en mode apparaissent plus nettement. Ok, on peut... En vrai, on peut... Voilà, on les détectera mieux, ça on avait déjà, ta 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 ta, c'est bon. Ça c'était complet. Les chiens c'est les pires. Ouais ouais, me dites rien, mais je me doute hein, que les chiens ça va pas être une partie de plaisir. Ça me saoule déjà hein, de tuer des animaux, hein, sachez-le. Des hommes champignons, des humains, j'ai pas trop de scrupules. Mais les chiens... Les chiens ça, voilà, ça me posait un peu problème.
Et donc la sortie c'était par là effectivement. Ça fait déjà 3 heures qu'on joue. Non mais non, c'est pas vrai. Ok. On est de l'autre côté du poste de contrôle. Parfait. Non. Et ben maintenant on avance. Je sais pas par où, mais on est en avance. Pas par là. Je sais pas où on va. On va où? Ah bah ici. Parfait. Eh, hey, Lina. Ouais. Les chiens zombies. Ouais, Limbo aussi, c'est vrai. Mais on, c'est, en fait, les chiens, c'est parce qu'en gros, nous, en tant qu'humains, on court déjà moins vite, et puis ça a quand même une sacrée mâchoire et tout, donc oui, ça reste un sacré défi. Mais ça me saoule quand même de tuer des chiens dans les jeux. Ou d'autres animaux. Hey, ce bâtiment rond, on dirait la station télé de ta carte. Ouais. Bien. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Mais elle a rien fait, c'est moi qui ai fait, qui ai tout fait. Je la ferme. Oh merde. Ok. C'est quoi ça? Il a foncé dans un piège. Et merde. Quoi? Un piège explosif. Et merde. Regarde bien où tu mets les pieds. Il y a des pièges. Ah oui d'accord, c'est bon, je les vois. Là. Là, tout ça c'est des pièges. Ouais, les zombies! Les infectés! Voilà, viens. Oh bah la one shot? Ok. Alors, je me rappelle. Que les pièges, il y en a quand même pas mal dans les zones où il y a des pièges, donc il va falloir vraiment faire attention. Ah, oh, mais je suis plein encore. Il y a vraiment des cartes Pokémon partout. Hein. Si c'est comme dans le premier, le problème c'était des pièges, tu vas en avoir, mais je me rappelle que dans le premier, ils étaient un petit peu mal dispatchés, quoi, les pièges. Okay, donc là il y a des pièges. Ok. Ok. Pas de soucis, writers. Writers. Ok, bon, là, il n'y a qu'un seul passage. Je crois qu'il faut qu'on descende. Ouais, bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. C'est parti pour la glissade. Oh, Ellie ! Putain, tout va bien. Allez. J'imagine qu'il faut aller par là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Bah des dessins alors. Genre un pied qui trébuche sur un fil et après un grand feu. Je suis sûre que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je veux le voir écrit noir sur blanc. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joël. Ah, le fameux Bill. Les habitants, ils faisaient comment?
Il était tout seul. Attends, il avait une ville entière pour lui tout seul? Il était du genre méfiant. C'est triste. Mais ça lui a sauvé la vie. Dina, passe devant et déclenche les pièges. Survivre et être proche des gens. Tout n'est pas noir ou blanc. Quand même, ça peut être dangereux. C'est bien plus dangereux de rester seul. Hé, hey, regarde. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout? Tu crois qu'elle a un rapport avec les wolves? Je sais pas. C'est pas Abby? C'est trop bizarre. Non. J'espère qu'il n'y a pas un piège ici. Non, c'est peut-être pas Abby. Non, c'est pas Abby. Ce n'est point Abby. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on ne l'a pas joué, Abby. Mine de rien. Ah, un petit message. Vive, j'espère que tu recevras ce mot. J'ai vu ce qui s'était passé. Le Wolf est entré chez toi et emporté tous les trucs que Jimmy avait pris. Bijoux, papier, carte de rationnement. Il refusait de répondre à leurs questions et répétait qu'il ne savait pas d'où ça venait. J'ai essayé de leur parler, de leur dire que ça avait été difficile. Ici, que la Fedra nous avait délaissés et qu'on avait tous dû faire des choses dont on n'était pas fiers. Ils ont commencé à se calmer et puis ils ont trouvé une pierre séraphite dans sa poche. On a essayé de les arrêter, je suis désolé. Roll and Heather. Ok. J'ai cru que c'était Jésus. Ah, il y en a toujours qui profitent de ces moments-là aussi pour... Parce que les gens ont besoin de croire en des choses. Alors, juste, je vais faire une toute petite pause, les amis. On va faire une toute petite pause dans le jeu. Je vous prépare ça. Voilà. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas vu, mais je me disais, je commence à avoir envie de faire pipi. Donc, les amis... On se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite. Nordini va prendre votre appel. Veuillez patienter. Nordini va prendre votre appel. Veuillez patienter. Nordini va prendre votre appel. Veuillez patienter, un 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 Nordini va prendre votre appel. Et rebonjour. Oui, un peu brutal, il est vrai. J'aurais pu être plus doux pour arrêter tout ça. Comment ça va? Je vous ai manqué? Oui, c'était rapide. C'était rapide. Alors, on en était où? On en était là. On en était là. Rebonjour. Et bonjour, Miss Ar. Comment vas-tu? Du coup, on en était là avec les pièges. On s'en souvient très bien. Putain de merde. Ah! Ils ont été tués par balle.
Bah, il y avait un homme champignon dans le tas. Tout va bien. Regarde. C'est celui de Tommy. Ah, le cheval de Tommy. On se rapproche de Tommy. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On joue depuis maintenant 3 bonnes heures à The Last of Us Part 2 et ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Ouais. J'ai des doutes. Il a dû continuer à pied. J'ai des doutes. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Merci pour les points pour le cosplay. Je sais pas où il faut qu'on aille, mais comment on y va. Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non, il n'y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. J'ai trop peur dans les herbes. Je vais me prendre un truc explosif, ça va être vite fait pour moi. Tu vois la station télé? Ouais, c'est par là. Ouais, passe devant, Dina. Déclenche les pièges à ma place. Ouais, c'est par là. Oh. Encore des cadavres. Tu es par balle aussi. C'est pour être... Tommy est arrivé par ici. C'était pour éviter de déclencher les pièges. Oh mince alors, on peut pas passer par là, il y a un matelin qui nous gêne. Okay. C'est gentil, merci beaucoup. OK. On passera pas par là. 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 Oui, oui, là aussi. Oh, merde. Non, non. Bien vu. Vas-y, recule Dina, recule un petit peu. Il y en a partout. Ouais. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas. Ouais. Mais là aussi, il y en a, mais c'est terrible. Mais là aussi. Non, mais là aussi. Ok, d'accord. C'est là. Waouh. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux. Ah ouais, il y en avait un là juste ici. C'est des clémores ou c'est moi? Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des clémores. Est-ce qu'on peut entrer dans le bâtiment quand même ou pas du tout là? Il y avait peut-être des trucs dans le bâtiment, bon. Dans le doute, on va pas prendre de risques. Par contre, là il y en a. Là il y en a, yes! Tiens, ici aussi. Là il y en a. Je peux pas rentrer par là? Mais où? Laissez-moi rentrer! Je vais enfin pouvoir améliorer mon arme. Je vais enfin pouvoir améliorer mon arme. Il me restait une pièce pour l'améliorer. Voilà! Mince. Voilà! Elle est améliorée. C'est bon. Ah, plus de cri-cri. Mais non, mais si! Je suis pas mort, je suis toujours là. Toujours vivant, toujours debout. Rassurez-vous. Voilà, j'ai amélioré mon arme. J'ai plus de pièges, j'ai plus rien. Je suis pauvre. Eh ben, dis donc. On pourrait y aller plus doucement quand même, Dina. J'ai eu peur avec ça. Eh, c'est les bonhommes de... Comment on appelle ça? Y a pas de Joyka qu'on a un comme ça? Pardon.
C'est Paul, je crois. je vois pas les clés morts là. Ça ne me rassure pas du tout tout ça. Ah mais du coup c'était un faux passage. Non. On est coincé. Par où on sort? D'accord, c'était un faux passage. Ah, on peut peut-être ouvrir. Oh oui. Ah. Tu vas faire les voisins des 20... Je sais même pas ce que c'est, Yua. Mais non, je ne pense pas. J'ai déjà trop de trucs à faire. Je peux pas m'engager dans plus de trucs. Je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu trop tard. C'est un petit défi, faut dessiner une fenêtre avec nous-mêmes histoire de faire une grosse frague sur Insta. Non, non, je le ferai pas, j'aurai pas le temps. Pas le temps et pas l'envie. Tiens, c'est dommage, mais bon. Je le ferai pas. Surtout, je trouve que c'est un peu copié sur... C'était quoi? C'était les voisins du confinement. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, en vrai. Oui, du coup... Je savais que j'allais exploser un moment, c'était sûr. Je suis désolé pour ceux qui ont sursauté. Je l'ai vu trop tard. Là, il y en a un. Putain, mais ils ont vraiment tout piégé. Ok. C'est la station télé. Voilà. Ma bête, ça fonctionne. Ouais, j'ai vu Joël faire ça une fois. Tu crois que quelqu'un a entendu? Ah, m'a raté. C'était pas discret. Si, c'était très discret. Ça nous empêche de mourir en même temps, donc... Je l'avais vu. Putain, mais il y en a vraiment partout. J'aurais dû commencer par faire ça, ça aurait été vachement plus intéressant. Oula! Merde. Reste en bas, les escaliers sont piégés. Tu peux les déclencher? Pas ici. J'ai failli mourir! À l'aide! C'est ça, après avoir... J'ai raté. Pas d'autres briques? Comment je fais pour les déclencher du coup? Je veux pas remonter moi. Ramasse la bouteille. On fait pas dans la discrétion là. En même temps, ils n'ont qu'à pas mettre tout ça. Hein. Ouais. Les voisins du confinement, voilà, ça me dit rien. C'était un truc qui avait été lancé par Pénélope Bagieux pendant le confinement. Ça avait fait une très grande fresque où justement, bah, chacun dessinait une pièce et après, fallait les assembler les uns avec les autres. Et je l'avais fait justement pour les 23 heures de la BD. Moi, j'avais fait un mix où c'était les voisins du confinement. Et en même temps, j'expliquais, je donnais des petites astuces pour bien faire ces 23 heures de la BD. Quoi? Tiens, je t'ouvre parce que... Non, c'est bon. Elle va faire le tour, elle aussi. Eh ben, ils avaient bien piégé la zone, hein. Franchement.
On y est. Franchement, je vous félicite pas. Ok, on y est arrivé. Ça a l'air désert. Je me méfie. Je sais pas, j'escaladais, puis voilà, ça ne marchait pas, c'était pas le bon chemin. Elle cherchait pas un endroit pour dormir ? Ah ! Bordel. Oh, une belle arme. C'est Tommy, tu crois ? Viens, on entre. Non. Ok. Tommy, il a fait le ménage. Merci Tommy. On remercie tous Tommy, s'il vous plaît. Merci Tommy. Merci Tommy. Pour avoir tué tout le monde. Allez, tous ensemble les enfants. Merci Tommy, merci. J'ai cru que j'allais être tout seul. Putain, fais attention. Oh! Ouais mais non, le mien est mieux. Il manque des trucs. Ok. Putain, il a tout défoncé, Tommy. Ah, faudrait peut-être que je refasse ça. C'était pas mal, ça. Mais du coup, je ne peux plus faire ça. Yes! Plein. Ok. Ah. Oh merde. Non, ça c'est pas Tommy. Ah. Ah oui, d'accord. Qui a fait ça, bordel ? On va peut-être pas dormir ici, finalement. Mais ils ont voulu faire passer un message. Peut-être pas dormir ici. Je viens juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là ? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. Ok. Ok, la bonne ambiance. Non, ça peut pas être Tommy. Tommy, il est quand même un petit peu gentil. Il a fait partie des lucioles, mais il aurait pas fait ça. J'espère pas. Amène-toi. Putain, l'angoisse, t'arrives dans un endroit et puis c'est comme ça. Bonne ambiance. Je ne suis pas rassuré. Est-ce que ça se sent ? Oui. Oula. C'est bon. Excusez-moi, des fois ça arrive. Il peut y avoir des petites sautes. Voilà, je vous rappelle que la PS4 n'est pas à côté. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc voilà, ça peut arriver. C'est la première fois depuis 3h30 que ça arrive, donc ça va. Ouais, ça va. Oh, mais j'ai tous les trucs en fait. Soul, il manque de l'eau pour. Je sais pas où elle me disait de me ramener d'ailleurs.
Ah, j'en ai toujours pas assez. C'est vraiment de l'eau qui... Enfin, de... c'est pas de l'eau, ça doit être du vinaigre ou des acides. Coucou, Mobilhome. Incroyable, ce pseudo. Ça me fait rire, bordel. On va avoir bientôt toute la... Parce qu'on a déjà Frigidaire. Enfin, je suis un Frigidaire. Mobilhome, j'aime beaucoup. Je crois que c'est par là. Ouais, je te suis. Je voulais juste faire un petit tour, t'as vu. Je sais pas où tu m'as dit, mais on y va. La musique angoissante. Comment ça va, Mobilhome? Ah, il vient pas avec moi? Ah si, j'ai cru qu'elle me laissait. J'ai cru qu'elle m'abandonnait. Ça, mais je me remets toujours pas de ce jeu, mais ça va. Alors, me dis rien, parce que moi, je ne l'ai jamais fait, je le découvre. Donc, voilà, je préfère préciser. Tout à l'heure, on a des gens qui sont venus spoiler de façon sauvage et pas sympathique du tout. Donc, bon. Oui, voilà, il y a... On a prévenu les gens. C'est pas super cool hein, de faire ce genre de choses, mais bon, il y en a qui n'ont pas de vie, donc bon. Voilà. Il est juste amazing. Ah oui, bah ça je veux bien le croire. Et bah j'ouvrirai pas cette porte. Et je fuis. Non, bah, je peux pas. Très bien. Bah je vais ouvrir cette porte. Et merci pour ton follow. Bienvenue parmi les ornithorynques. C'est quoi ça? Non, j'ai pas entendu, mais j'ai peur. Et comme j'ai peur, on va sortir ça. Roué. Mon petit doigt me dit que les Scars que tu avais ramenés de la côte ont parlé. Il paraît qu'Isaac est très impressionné par ton courage. Je sais que tu as des doutes, mais il faut que tu enfonces le clou maintenant. Montre-lui ce que tu as fait sur la côte. Que ce que tu as fait sur la côte n'était pas un coup de chance et tu seras tranquille à vie. Peu de personnes ont cette chance. Je suis fier de toi. Papa! Mon petit papa! Ça c'était plein. Ok, la porte elle est entrouverte. Oh! Bonjour. C'est elle. Papa, ouais, c'est mon papa. Ah bah Léa, bah écoute, enchantée Léa. T'en es sûr? Ouais. On est peut-être arrivé un tout petit peu trop tard. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Oh ça va. Elle a rien sur elle. Je suis en normal parce que bon, mes réflexes ne sont pas ouf et je veux juste vivre un bon moment plutôt que de vivre de la difficulté que j'arriverai pas à passer. Dina. C'est des photos d'eux. Ah bah ça y est, du coup on a l'organigramme. Attends. Le trombinoscope plutôt. C'est près de Jackson ça? Putain, regarde les souriants. Le petit Yuki demandait à l'accueil. Celle qui l'a tué. Abby le moine. Je te retrouverai. Je te ferai payer. Droit de moi, pas vrai. Droit de moi. Si c'est le secteur 2, vous m'en savez, une IP de foot
soutien India en route vers la station télé. Je répète, unité de merde. Soutien India en route. Ouais, faut qu'on se tire d'ici. Eh ben dis donc, on va jamais dormir hein, si c'est comme ça. Une sacrée bonne journée de merde. Bon. Elle est morte. Comment tu te sens? J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Oh. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à parler. Merde. Baisse-toi. Ils sont déjà là, mais c'est fou. Ils sont si nombreux. Qu'est-ce que tu fais? Je les fais descendre. Faut d'abord s'assurer que le bâtiment soit vide. Ils sont combien? 1, 2, 3. Il y en avait un autre qui est monté, je crois. 4. On compte 4. 5. 5. Minimum 5. On peut recréer un petit piège. On a découvert du coup qu'ils étaient attirés par les pièges. Pas sûr de l'avoir bien placé, mais bon. Oula, 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 oula. Qui m'a vu, qui m'a vu, qui m'a vu. Quoi? Qui? Comment? Oh, derrière! Merde, ça fait deux fois. Aïe! Laissez-les approcher! Putain, je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent par derrière, au secours! Tu peux exploser, s'il te plaît? Oh, mais c'est pas possible! On m'a prévenu en plus! Moi, je veux qu'ils prennent mon piège, hein. Elles sont parties par là. Hey, j'ai peur. Ah bah voilà. Merci. S'il en reste. Il en reste. Non. Ok, bon bah ça. Mais j'ai vraiment pas de chance hein, dans les affrontements. Ok, on va peut-être pas. On prendra du temps plus tard. T'es où? Ah oui d'accord, elle se dépêche. Ça me rappelle une séquence dans le premier, ça. Je les vois même pas avec les reflets. Ok. Waouh. Wouh. J'ai laissé Dina derrière. Oh.
Dina, elle a eu le temps de passer. Ah oui, elle a eu le temps de passer, c'est bon, j'ai... Ça aurait été trop drôle. Ah bah Dina, elle est plus avec moi. Oh là là, au secours. Espoir. On met les masques. Ok. Oui, j'ai pas vu la suite du passage. On a mis le masque. Très bien. Eh bien, avançons. Avançons dans l'espoir, avec l'espoir de s'en sortir. Où est le passage? Non, pas de passage là. J'en vois pas de passage. C'est par où? Là? Là! J'avais pas vu. Faut qu'on avance. Putain, ils m'ont fait peur, hein. Moi, j'étais pas bien, je sais pas. Enfin, il y en a qui ont déjà vécu le jeu, donc. Moi, j'étais pas bien. On peut avancer par là? Oui. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Ah bah, je me suis pris une balle quand même bien placée, là. Oh non. Oh non. Bonjour. Bonjour. Oh non, ils sont avec nous ici! Bordel de merde! C'est qui alors? Des chats ou des intrus? Des bougies ou quoi? Ah, alors ça, c'est ce que j'attendais depuis le premier épisode. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces intrus? Des scars viennent de buter toute une unité. On a enfin une zone où on a à la fois. Les infectés vont les bouffer. Je veux les buter moi-même. J'ai voulu Jordan aussi. Putain! Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, lui. Il était bien caché. Mais au secours. Ah mais non, mais c'en est un aussi, ça! Et pour le moment, il fait dodo. Tu les as pas vus, là-bas? Le stress! Ah, moi, je suis pas bien. Attendez, je suis... Tu peux pas aller sauter sur le monsieur là? Tu peux pas sauter sur le monsieur? J'ai pas de cailloux à lancer. Pas une bouteille, quelque chose. Faudrait une bouteille. Une bouteille! Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Quand ça arrêtera de crier, on ira. J'ai manqué quoi? T'as manqué une course-poursuite. Exterminez! Oh non, il vient ici. Il vient ici. Wouah, mauvais plan! C'était Dina. Très mauvais plan.
Au secours. Au secours! Allez, allez! Venez ici! Ouah, trop proche! Ouah! J'ai pas bossé mon cardio depuis un bail! Oh là là, au secours. Ouais, mais je tiens à côté. Le stress. Le stress de réussir tout ça. Yes, on connaît. Mourut. Ah bah super, même le chat n'y croyait pas. Merci à tous. Elle est où Dina? Ah non, c'est Dina qui est Mourut. Merci à tous, c'était incroyable. Bon, peut-être avancer. C'est dommage parce que ça partait bien et puis, d'un coup, tout est parti en cacahuète. Oh oh, il m'a entendu. Je vous les envoie. Je vous les envoie. Ah non mais foncez sur eux. Aïe. Les intrus sont là aussi. Mais pourquoi ils font sur moi? Brûle-toi! Exactement. Merde, c'est pas possible. Trop dur! Oh là là, mais j'en ai marre, je suis trop mauvais! Zut. Bonjour. Alors, la première fois, j'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient dans le coin. J'ai réussi à le passer. Là. On va rester à distance, hein, tant pis. Hein. Tiens, t'approches pas toi. Oh merde. Retourne les tuer. Il m'a poussé. Merde. Merde, 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 merde. Ouais. À l'aide. Au secours. Mais c'est pas possible. Eh oui, il faut que je sprint. Mais je pensais que mon truc serait plus puissant. C'est dommage.
Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'on est qu'en normal, hein. J'aurais dû mettre en facile. J'aurais dû mettre en ultra facile. Ultra facile, ça aurait été parfait pour moi. Ultra facile, ça aurait été bien. Juste l'histoire, le reste, on s'en fiche. Bordel, ils nous ont repérés. Attaquez ces ouvriers. Qui m'a vu? Ah oui, d'accord. Mais c'est des claqueurs, eux, c'est bien ça? Merci Jean-Benoît! Merci, vive les champignons! Ils sont quand même nombreux. Bon, les champignons. Il va falloir s'en occuper un moment. Comment ça va, Jean-Benoît? Normalement, ils sont aveugles, je crois. J'aime pas les champignons. Ça va, et bah nickel. Voilà. Ouh. J'ai reçu un cadeau d'Anu de la part de mon père, une bonne grosse entrecôte de 800 grammes. Incroyable. Je pense pas que ce soit par là en plus. Si. Ça a l'air d'être par là. D'un coup. Allez, ouvre-toi. Non, ferme-toi maintenant, ferme-toi, ferme-toi, ferme-toi. On y va. Ouais. C'est assez résistant. Est-ce que ça va? Ouais. Merci. Ellie. Je suis vraiment crevée. Eh ben, on a qu'à dormir ici. Une impasse. Peut-être par ici. Je pense regarder soit en replay ou sur ta page YouTube. Y'a pas de soucis, Jean-Benoît. Jules. J'espère que tu t'en es sorti et que tu trouveras ce mot. Nous, on s'est frotté à des claqueurs, mais on est toujours entiers. On s'est posé ici pour la nuit, le temps de nous remettre. Un vieux cadavre a veillé sur nous, comme pour nous rappeler pourquoi on faisait ça. Cette infection, c'est un signal d'alarme. Mieux vaut aller vivre au large que de moisir ici avec tout le monde. Zachary dit que si on continue vers le nord, on arrivera au camp des Séraphites d'ici 2 ou 3 jours. Ils appellent ça Haven et dit qu'ils l'ont bâti eux-mêmes. Quand ils en parlent, j'ai du mal à pas m'emballer. Je prie pour que tu ailles bien. J'ose même pas imaginer ce que les gars d'Isaac te feraient s'ils te trouvaient. J'espère bientôt revoir un signe me confirmant que tu vas bien. Gray. Je suis vraiment crevé du genre je vais me transformer à tout moment. Ah, peut-être. Maybe. Car ici c'était une impasse. T'as entendu?
entendu comment il nous appelait ? Scar. Les Scar. C'est les Scar qui ont fait tous ces graffitis. Mais nous, on n'a rien fait. Trippé tous ces wolves. Putain, il n'y a que des tarés dans cette ville. Ah. Putain de merde. Au lieu de nous chercher, hein, ça a l'air très sombre pour vous. Mais c'est vrai qu'au lieu de nous chercher, ils auraient dû... Enfin, je comprends pas. Au secours. Ah, bonjour. Bordel. T'as déjà vu un truc pareil ? Ah oui ! Les colosses balancent des spores acides. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit un. Oh non, c'est un nouveau truc. Je sais pas contre quoi ils se battent. Mais on devrait les laisser s'entretuer. Oui, on va pas aller les voir. Quel est l'intérêt, à part perdre des munitions, tout ça. Aucun. Nous, on y parti, on va... Ah, c'est dégueulasse. C'est comme ça que je les aime. Un claqueur... Un bon claqueur est un claqueur mort. Ah, on a un établi ici. Sérieux? Au beau milieu de nulle part. Je dois pas avoir beaucoup en plus de pièces. On peut toujours aller voir. On peut toujours aller voir, effectivement. Bon, je pense que je vais peut-être améliorer... Ah, mais on peut encore lui. Ah, il a une double stabilité. Il était pas augmenté. Quoi? Je l'avais pas augmenté tout à l'heure? Je suis peut-être mort entre-temps. Peut-être ça. Je suis peut-être mort. Ok, bah c'était ça, j'étais mort. Ah du coup, mince, j'ai pas vu pour les autres. Je peux rien augmenter d'autre? Non. Très bien, je suis trop nul. Yes, pas assez de pièces. On a juste amélioré notre fusil. C'est quoi le plan? Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok... Comment on fait pour y aller? Ça va le faire. Ça va le faire. Tata yo-yo. Non, c'était R1, pardon, excusez-moi. Ouais, on va escalader un tout petit peu, voilà. Allez. Yala. Ah ouais, pas mal se soigner. Beau et non sont antinomiques. Coucou Elandre. Comment vas-tu? Ok, ça me semble pas mal. On a pas mal de trucs. Tatidou, tatatidou, tatatidou. Ah! L'échelle est pétée. Il y a un problème. L'échelle est pétée. On peut pas passer autre part? Ah si, là. Bah oui, dans les conduits, toujours mieux. Oula. C'est bon, je m'en occupe. Allez, retirez. Oh non, ça va casser. Merde. Mais si, t'as déjà vu un colosse? Alors c'est peut-être encore pire qu'un colosse. Oh non, elle va tomber, c'est sûr.
J'ai fait une sieste de 1 heure. Au lieu de streamer et toi. Bah écoute, si ça t'a fait du bien de... De faire une sieste, tant mieux. Merde. Nous, on joue... Ah, il ne voit pas, ok. Nous, on joue depuis, depuis 4 heures. Depuis 4 heures ? Aïe, 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 c'est-à-dire il est déjà 17 heures ? Ah bah ouais. Mais c'est trop bien en même temps. Je peux pas arrêter là. Oh sa mère. Est-ce que ces saloperies ça brûle bien ? Putain. Non, cassez-vous. C'est quoi? Oh non, en plus y'a des... Y'a des coureurs classiques. Bien joué, Yua. Y'a des trucs classiques. Eux, ils voient par contre. Bon, du coup, essaie de pas se louper. Mange ça! Mince, il a bougé. Fais attention! Wow! Je sais pas par où c'est, Par où, par où. C'est bon ? Ok. Dina, t'as fait quoi pendant ce temps? Je déteste ces enfoirés. Ils t'ont eu? Non. J'ai rien. Menteuse. Des puants? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? Coucou Elphara! Ils sont horribles. Tu peux m'aider? Prends ton temps. J'y suis, presque. Ok. Ah. Comme par hasard? La voie est libre. Enfin, je crois. Cool. Des puants. Comme si on n'avait pas assez d'eau. Ok, donc c'est différent des colosses. Que veux-tu? Ils étaient moins résistants que les colosses, j'ai l'impression. Ouais, ben, la nature, c'est une sacrée connasse. Ah, connasse? On parle de connasse? Qu'est-ce qu'elle fait dans le jeu, connasse? Donc connasse et la nature, ok. On en apprend tous les jours. Ça va très bien, Elphara, et toi? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oh non, c'est fermé. C'est fermé. Pourquoi tout est sombre? Mary Anderson? Tu as encore oublié le code, apporte-moi une canette et je te le donne. Canette.
C'est quoi ? 1, 5, 2. 1, 5, 2. Et il manque deux trucs. 1, 5, 2. Et il nous manque les deux derniers. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il me manque, ouais, il manque les... Il me manque les deux derniers. Il faut que je les trouve. Ah. Moi, ma journée était pas mal aussi. Tout prendre comme ça, ça me fait penser à R2-D2. Ah, il y a encore les, le symbole des Scar. Après les horreurs qu'on a vues aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie de savoir. Ouais. Ouais, il nous manque un code. Après, peut-être que j'aurais dû regarder la canette un peu mieux. Ça se trouve, on nous disait des choses qui étaient importantes. Ah, plus 50% de soins, ça c'est pas mal. Tac. Statut gravé, note de la canette. Elle disait quoi ? Si tu restes à... Bon, ça suffit d'indice, si t'arrives pas à trouver le reste, c'est que t'es pas le bon mec. Fais-toi plaisir. Ouais, mais ça fait quand même pas mal de combinaisons. J'ai dû rater un truc. Oula. T'as encore oublié le code, apporte-moi une... Non. Do we. Y'a pas un indice sur... Peut-être ici. Nanana. Est-ce qu'il y a des chiffres ? Ça a l'air très long tout ça. Non, je pense pas. Ça me paraît bon. On va tenter, hein. On va tenter. Alors, du coup, c'était quoi? C'était combien? Ah merde, 1, 5, 2, je crois. 1, 5, 2. 1. 5. 2. Et on va faire, allez, 33, 34. Ah, on peut les utiliser qu'une seule fois. Ah, d'accord, ok. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut les utiliser qu'une fois. Ouais, je peux les utiliser qu'une fois, donc non, c'était 43. Ok, c'est bon. C'est magique. Ah ouais, moi j'ai cru que ça allait faire beaucoup de possibilités aussi. Je pensais qu'il y en aurait au minimum 9. Non, ça va, ils ont pas été trop... Y'a rien. Après, y'a pas grand chose. Je crois. Oui, vas-y, prends tout ton temps, Ellie. Prends tout ton temps. Ok. Ok, parfait. Pour une fois, on a tout. On a 3 pièges, 3 cocktails, plein de trucs. C'est la folie dans les studios. Ok. Continuons notre chemin. Papalala. Tadadidada. J'ai un peu peur. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. J'aime ton optimisme. Allez, descendons. Ah. Merde. Puant. Des puants. J'ai plus que 3 balles de ça.
Au secours. Et c'est cure. Ah bon? Mais j'esquive, bordel! Devant nous! Waouh! Il était déjà si proche. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Le restant. Non, c'est bon. L'explosion l'a tué, l'autre. Ok. J'ai bien envie de me casser d'ici. Youhou! Pareil. Elle prend des notes, incroyable. Ok, les gros moches. Dépuyant, d'où sortent ces nouveaux infectés? Yes. Bon, j'ai plus de vie, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Super. Ah, ça remet vachement de vie, c'est trop bien. Ok. Dadidadou. Attends. On reste quand même très très longtemps dans ces souterrains. C'est pas très rassurant. Et on s'est toujours pas reposé. Et notre amie Dina, elle avait mal à la tête. Je crois qu'elle avait un peu de fièvre. Enfin, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc bon. Elle n'est pas en très très grande forme. Des bisous, Mobilhome. Merci beaucoup d'être passé. À peut-être une prochaine. Bonne soirée à toi. T'attends quoi, Dina? Dina, elle reste plantée là. Ok, donc on a fait tout le tour et là on disait que c'était une sortie. Voilà. Je repasserai plus tard, pas de soucis. Ah, on est presque sorti de cet endroit. Ce serait bien de retrouver un peu l'air frais, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Un accident de train. Un accident de train, peut-être? Oui, la SNCF qui a encore voulu faire des trucs et tout est parti en cacahuète. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. De la lumière par là. Il y a rien par là. Ouais, mais on peut monter par là. Non, on peut pas monter par là, on est d'accord. J'essaye de voir par où on peut passer. Ça semble un peu complexe par là. Il aurait fallu qu'on escalade ici. On peut pas. Il faudrait qu'on monte par là. Oui, oui, mais c'est ce que je cherche en fait. C'est exactement ce que je cherche, Dina. Mais bon. Ah bah oui, d'accord. Je cherchais, c'est ça que je cherchais, évidemment. Bon,
On se rapproche de la lumière. La lumière. Ah, attends. Mince. Zut. 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 Oh non, encore ? Mais c'est pas possible. C'est la deuxième fois qu'il flotte aujourd'hui. J'en peux plus quand ils me fument quand ils font ça. Donc oui, Dina. Dina est bien un fantôme. Hein. Vu comment elle flotte. Ok. On reste ensemble. Bah oui, oui. On va bientôt dehors. On va se séparer ici devant. Et puis voilà. Coucou Bruno. Ah. Oh non. À l'aide! Au secours! Cache! Ellie, ton masque! Tiens, prends le mien! Non, 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 non! L'enlève pas! Dina, stop! Stop! Quoi? Ah, ça y est, elle va apprendre. Arrête! Je suis pas infectée! Je suis immunisée! Je touche pas, regarde! Merde! Dina! Oh merde! Tu veux courir? Ouais. Oui! Alors, vas-y! Fonce! Quoi? Mais non! Laissez-la tranquille! Oh, c'est mort! Quoi? C'est le bordel! Au secours! J'ai raté le premier truc, c'était le bordel! Ah, oh, c'était trop drôle. J'adore quand ça se passe comme ça. Y'a qu'avec moi qu'on vit des trucs incroyables comme ça, où je réussis jamais les trucs. Ouais, ouais, non, mais en fait, il y avait certainement un truc à faire parce qu'elle s'était fait choper, je suis passé à côté. Après, j'ai voulu prendre un cocktail Molotov pour faire « Allez, bah c'est pas grave, on se fait tout cramer parce que de toute manière, c'était mort. » C'est toujours très rigolo. Voilà. Allez, vas-y. Vite. Voilà, là, elle se fait attraper par quelqu'un. Voilà, il fallait juste faire ça et continuer. Voilà, c'était juste ça, mais moi, je suis trop mauvais, donc je rate les trucs... Au secours, au secours, au secours. À droite, comme Patrick Balkany. Au secours. Au secours. Oh, le poteau. Ça t'apprendra à pas regarder devant toi aussi. Mince. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu l'action. Mais j'ai pas eu l'action. Mon dieu, il a osé. De quoi il a osé? J'ai osé quoi? Non mais je suis trop nul. Je suis beaucoup trop nul. Il m'a fiché jamais les trucs. Ah, Patrick Balkany. Oh, ça, mais ça, c'est rigolo, c'est normal. Ça me rappelle une scène de Walking Dead. Ce réflexe de la droite. Alors, j'ai certains réflexes. On peut pas lancer un cocktail Molotov pour qu'ils crament tous là? Ça aurait pas été plus intelligent? Antoine serait fier de toi. Hey. Et si on se reposait dans ce théâtre? Bah oui, il y a des infectés tout autour. C'est une putain de bonne idée. D'accord. C'est une bonne idée apparemment. On n'a même pas vérifié s'il y avait des infectés dedans. Ils ont rien vérifié, mais on va se poser ici.
Tu peux me dire ce qui se passe au juste? Je suis enceinte. Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Non, y a pas que ça. Y a pas que ça. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. J'ai été mordue il y a déjà longtemps. Et elle m'avait pas cru quand j'en avais parlé. J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Pas mal, Jean-Benoît. Maria et Tony et Joël sont les seuls au courant. Toi aussi maintenant. Je suis pas contagieuse si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. T'as oublié un zéro, c'était 50 000. Oui, 5 000, ça faisait pas beaucoup. Ah bah j'avais raison, elle était enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. C'est pour ça qu'en fait, elle était pas utile depuis le début du jeu. C'est elle prenait soin de... Elle prenait soin d'elle. Pour ça que j'ai tout fait depuis le début. Sacrée révélation. Sacrée révélation. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que mine de rien, il est déjà 17h passé. On a joué 4 heures quand même au jeu, mine de rien. Incroyable.